Merci beaucoup, chers amis téléspectateurs. Mbote bande konyo so, omesana kolanda, émission on abino, actualité de A à Z. Yango tobe yango A à Z, c'est-à-dire. Lelo tozali honoré na honorable ya mboka na biso, Ados Ndombasi. Oyo toko betane ma solo ya lelo, déjà mbote honorable Ados Ndombasi. Na tenue toujours ya orange, ezalaka nini. Bapesa yo instruction panganga ki olongola kango te to nengeni. Obi na katia hymne national na biso baloba, par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Par le labeur, par le travail. Et loko ebomi mboka na biso Congo, ba yeba salara politique, ba lingi kosala mosala te. C'est pour cela que tant on a intégré le monde politique, je me suis dit qu'il fallait venir avec un message. Si nous voulons aujourd'hui que Congo est comme mon aîné et comme l'un des grands pays les plus développés au monde, il faut qu'on se mette au travail. Voilà le pourquoi, bien sûr, de cette tenue. Mais cette tenue aussi, ils ont caractérisé l'homme que nous devions être, tant que comme politicien. Mingi, ceux qui nous ont mis politicien, azumi mon salle, après moi député, après moi ministre, après moi directeur général à l'entreprise publique, Tonini. Au Mona, et l'autre, et l'autre, et Mingi, et Zali, orgueil. Moi, pour moi, cette tenue symbolise le travail, mais il symbolise aussi l'humilité que devrait avoir chaque politicien congolais. Merci beaucoup, honorable Ados Ndombasi. Lelo Oyo, Mingi, la politicien, Mingi, Balobaka, nous avons le discours. Mais tant que moi, je pense que je l'ai prouvé pendant 5 ans en Azaïna Kata Parlement. J'ai été peut-être l'un des députés les plus prolifiques à la République démocratique du Congo. Depuis 1960, depuis le 17 juin 1960, date de la première législature en République démocratique du Congo, aucun député national n'a pu déposer 10 propositions de loi n'ayant la salle Ndombasi dans le Parlement. 44 questions orales avec débat adressées à des ministres, adressées à des chefs d'entreprise, adressées à des chefs d'établissement public. Un travail de terrain impeccable fait pendant 5 ans. Je pense que personne n'a pu le faire au niveau de l'Assemblée nationale. C'est pour cela que je dis qu'il faut travailler pour apporter de la grandeur à la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Et là, on est Salaki qui est au Cameroun, Martin Fayulu. Ben, je pense que et Salaki décision, il y a président Martin Fayulu, il y a Kobo et Bissoto qui n'est pas élection. On avait travaillé pendant 5 ans, de 2018 à 2023. On a travaillé avec beaucoup de peine. Vous savez, quand vous êtes opposant, il faut résister. Il faut résister, il faut travailler pour le peuple congolais, il faut soutenir ce peuple congolais qui souffre. Nous avons travaillé pendant 5 ans et bien sûr, il fallait qu'il n'ait pas élection. Il y a eu une très mauvaise décision que tout qu'il n'ait élection. J'ai fait le choix de me retirer et d'aller accompagner, bien sûr, le docteur Mukwege. Et bizarrement, après, il y a Moko Lissousou, a Zongi Lissousou dans ma élection. Bref, voilà. C'est une incohérence, c'est clair, c'est une incohérence. Donc c'est pour cela que je me suis décidé d'aller accompagner le docteur Mukwege, mais malheureusement aussi, le docteur Mukwege n'était pas prêt. Et maintenant, nous avons pris la décision de créer une structure politique qui s'appelle Alternative 2028. Nous voulons aujourd'hui avoir une nouvelle classe politique capable de retrouver ma solution pour le peuple congolais. Tant que le docteur Mukwege a prêté, c'est par rapport à quoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a un problème. Parce qu'on se le dise, est-ce que vous avez vu le docteur Mukwege battre campagne à Kinshasa ou dans d'autres provinces? Donc bref, je pense qu'il n'était pas vraiment prêt à Yarokine à l'élection. Donc le désordre créé par le président Martin Fayulu, l'absence de docteur Mukwege à terrain a fait en sorte aujourd'hui que ma remission de l'élection est les Gabienti. Donc voilà. Alors, depuis que l'on voit qu'il est cédé, tout le monde peut aussi qu'il pète dans ma ponami, l'acting au salaire. Est-ce que aussi qu'il n'a pas pour l'amitié parce que l'on voit qu'il a décidé. Non. La suite est parce que Kadima a décidé, il y a quoi le bas que regroupement la Bisso, ACRN, donc aussi ça a été. Moi, j'ai été élu massivement, j'ai été voté massivement par le peuple congolais, Bukina Funa, avec des milliers de voix, mais malheureusement. Pour la battre le rôle abyssal, battre le qui est important pour la République d'Arata Parlement, on a décidé de nous débrancher en disant qu'on n'avait pas atteint le seuil, chose qui était totalement fausse. Peut-être que je profite aussi de l'occasion pour remercier tous les habitants de la Founa qui avaient fait confiance en ma personne
qui m'accompagne jusqu'à ce jour, qui me soutiennent jusqu'à ce jour. Napesi Bango, merci beaucoup. Ce n'est qu'une partie remise. Merci. Lecture ni no koki ko sala, il y a 5 ans, timuko na lelo to kon. La situation, elle est catastrophique. Il ne faut pas dire politiquement, parce que nous faisons de la politique pour assurer le social du peuple congolais. Malheureusement, vous allez constater que rien n'avance dans ce pays, à tous les niveaux. Sur le plan des infrastructures, sur le plan sanitaire, sur le plan d'insécurité alimentaire, rien n'avance en République démocratique du Congo, parce que malheureusement, dans la politique congolaise, nous n'avons pas des gens sérieux, nous n'avons pas des gens dignes de ce nom. Est-ce que vous avez un bon pour vous? Je n'ai jamais changé de discours. Bon, ça va faire plus de 30 et quelques années que j'ai le même discours, c'est-à-dire un discours qui concerne l'avancée du peuple congolais. Mon discours à moi n'a jamais changé depuis l'époque de Mobutu, que nous avons combattu. Nous avons combattu Kabila fils. Je n'ai jamais changé de discours parce que je pense que la République démocratique du Congo est mal gérée. C'est une réalité. Lelo oyo tokoki koloba ke mboka ndengo lobi wana eza makambo za koloba eza kwangaji kaka yo alo te makambo zo lobo za engagé biso za tunoka ka motuna mokonza mboka pa pesa ki mwa likanisi alobi il y a des dispositifs mususu ya constitution oyo ezali ko tambola penza ndenge malamu te pona na ba institution mususu ya mboka alo il faut ko changer ko bongisa mwa moi aussi, moi, ma constitution. Yopoza pour Yango? Non, je ne suis pas pour cela. C'est vrai que la constitution congolaise peut avoir des faiblesses. On peut la modifier. Mais je ne pense pas que c'est opportun. Et puis, bah, argument, ils allaient avancer, ils sont tellement faibles. Qu'on se le dise clairement, sur terrain, en une année par exemple, qu'est-ce que M. Félix Tshisekedi a fait pour le Congolais? Depuis qu'il a accédé au pouvoir, et Lokoni Nya Malonga a sali pour le peuple congolais, en termes de social, qu'est-ce qui a réellement changé? Rien. J'aimerais dire au peuple congolais qui me suit en ce moment, ni la révision de la Constitution, ni un dialogue politico-congolais va faire avancer la République démocratique du Congo. Ce ne sont que des slogans. Le peuple congolais a besoin des dirigeants qui sont capables de trouver des solutions à sa misère. L'insécurité alimentaire qui bat son plein. 27 millions de Congolais aujourd'hui sont en insécurité alimentaire en République démocratique du Congo. 13 millions d'enfants. Bazola la nzala na katia Congo oyo. Donc ezali biloko moko tokoki ko tolérer ti. Lelo yo Congolais ezali incapable ya olongwa Kinshasa. Tilubumbashi, impossible. Donc ce n'est pas la révision, il y a constitution, tout un dialogue politique congolais, et que ça la banzela. Non, c'est le manque de sérieux, c'est le manque de vision, c'est l'égoïsme des politiciens congolais qui a tué ce pays, Ndebulanga. Donc ni la révision constitutionnelle ne sauvera ce pays, ni un dialogue ne sauvera ce pays. Vous allez contre révision et la constitution. Oui, je suis contre cette révision parce que on nous fait perdre du temps. On veut faire croire au peuple congolais que constitution a besoin des choses changer et ça là que moka et s'améliorer. Donc constitution a besoin ça là que ma boulou est en zela et tongamati. Ba balabala est tongamati. Ba hôpital est tongamati. Non, c'est totalement faux. Qu'on arrête de distraire le peuple congolais. Nous voulons aujourd'hui un gouvernement responsable, un gouvernement capable de trouver des solutions au peuple aux soucis du peuple congolais. Ça, je serai d'accord avec. Mais tout ce qui est révision, tout ce qui est dialogue Alternative 2028 dit non. Le au proposer ba piste ya solution. Le kola bana ya mboka, le kola ba tulenge moko tozali oyo un de commenter faire la lobby ke to fanda to solola. Ce qui est na kana yo ki ba bi bon, makambo yo ndenge to komi boye, mettre un ami honorable Atos Ndombasi pesa biso quelques propositions pour makambo mosusu bana ko tambola. Est-ce que vous en proposez? Tu sais moi Bisson Nakat Alternative, nous avons réfléchi un moment. Nous nous sommes posé énormément de questions. Pourquoi il n'y a eu aucune avancée? Depuis 64 ans, le Congo a évolué. T'sais. Le Congo n'émerge pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un problème culturel. C'est comme si les Congolais eux-mêmes n'aiment pas ce pays Congo. C'est comme si même la Belgique a mieux aimé le Congo que Bisson Nakat Congolais. La preuve en est, les Belges ont construit des routes
que nous sommes aujourd'hui incapables de construire nous-mêmes. Mais non, pas politicien. Mais je le dis, vous savez, moi, je ne me considère pas comme un politicien. Je me considère comme un amoureux du Congo. Je me considère comme un amoureux du Congo. Parce que politicien, comment tellement ma baie et comment tellement saleté. Politicien, comment le roi Mouda Lukuta. Moi, de Massi, je ne suis pas un politicien, mais je suis un amoureux de Congo. Tout ce que je fais, c'est par amour à mon pays. Tu sais, même tant que tu as une assemblée nationale, tout ça, rares sont les députés de Roland Nomassi ou Babou Yabadji Palissade. Ji Palissade, 62 000 dollars. Bah, Pessim seront comme cadeau dans le bignet. Plusieurs fois, on nous a proposé des postes. Bah, mbongo ya corruption. Nous avons dit niet, Toboya Kiango. Au moment là. Et ça, tu ne peux pas le faire quand tu es politicien. Tu ne peux le faire que ce qu'on nie réellement Mbokanayo, République démocratique du Congo. Donc, les pistes de solution qu'il faut à ce pays, c'est, premièrement, selon notre réflexion au niveau d'Alternative 2028, il faut peut-être organiser une table ronde scientifique culturelle pour parler du Congo que nous voulons en 2040 au milieu. Oui, dans le Biboyo. Donc, j'aimerais dire ceci. Et loko oyo, tous en a besoin d'arrêter à Congo oyo, et ça une table ronde scientifique culturelle. Nekolanga, il est vrai que tous ont acquis indépendance politique. Mais est-ce que dans ce pays, nous avons eu l'indépendance économique, indépendance culturelle? La colonisation est bomaki culture nabiso na Congo. Mais tant que tu as eu l'indépendance, est-ce que tu as le travail pour te renouer la culture nabiso? Tu dis, scientifique, vanda, culturel, philosophe, vanda. Comment est-ce que nous pouvons développer la République démocratique du Congo et non nous amener dans des dialogues politiques? Différence des animes entre table ronde, aujourd'hui, bande de vanda, basolola. Nathan Goubande Koumoussou Soupe, Mado Falabito Solola. Non, non, c'est très différent. Un dialogue politique, c'est très différent. Dans le dialogue politique, on veut nous parler de cohésion nationale. Mais on a beaucoup. Cohésion nationale, les Anangwa. Ce sont les politiques qui viennent avec des génériques. Cohésion nationale, les Aseke, au contraire, Mado Falabito Solola. Je suis insulté l'intelligence à Mado. Je suis venu placer ma proposition. Je suis venu placer que dialogue national. Et ça est inopportun. Révision, il y a cours, il y a constitution. Et ça est inopportun aujourd'hui. La cohésion nationale existe dans ce pays. Pas de cause à Bisson de Konanga. Congolais, oh, tout ça n'a pas lingo. Tout l'ingan ni Bisson à Bisson. Mais au Koyo Kande, politicien, il y a toujours dans ma germe, il y a tribalisé peuple. Il y a kabola peuple. Chaque jour dans ce pays, Moulouba Balara, Mkongo, Mkongo Balara, Moussouaïli, Moussouaïli, Abani, Mungala, bref. Il y a la cohésion des cœurs, Ezali, ça existe. Mais les politiciens, les bisonnés, tous les batamabé. Par exemple, plutôt un exemple. Tant que Bazo c'est un dialogue moko politique, mais la carte opposition biso moko tous au Canada. C'est ça aussi le problème. Il est moko opposant à bolingoté. La même opposition. Bakutala qui en Afrique du Sud, il fallait biser la biso candidat commun. Incapable, il y a biser biso candidat commun. La même opposition, Balobi non, nan aux la porte parole opposition. Bamsoabi, l'ambabalia toroyate. Il y a misatu. Dialogue proposé par Martin Fayulu, Badazo Kanate. Mais c'est quel genre d'opposition? Il y a un là-bas qui boue. Ndekonanga. Classe politique oyo, il faut te virer. C'est-à-dire, même bato azana la majorité, même ba koulout la mission nakata opposition, ba échoué. Baza ba tomoro, il faut te chabar en Libanda. Aujourd'hui, il faut que génération Astika et Bima pour y sauver Congo. Et, n'a pas aidé l'ambition, tu le dis clairement, il faut une table ronde. Tu le monde n'a pas politique, n'a pas. Tu sali n'a une table ronde. Sur le plan scientifique, sur le plan culturel, sur le plan social, sur le plan économique. Comment développer la République démocratique du Congo? Dekolanga, d'amboka, oye, atta, tu sali 20 élections. Ce qui te l'a nika, comme n'est Congo, il n'y aura rien. Il nous faut aujourd'hui, maintenant, une nouvelle pensée. Sur le plan sanitaire, il faut que le Congo ait un désert médical. Sur le plan sanitaire. La ville de Kinshasa a combien d'hôpitaux comme à Maemo? Totangi, hôpital Kitambo, quelques hôpitaux, peut-être une quinzaine d'hôpitaux. Mais est-ce que vous savez que la ville de Kinshasa seule a besoin, il y a 600 hôpitaux comme à Maemo? Et le bozoka, moi, bah, comme les bozoka, on fait tous les jours. 53%
l'éloi et comme taux de mortalité à Congo, 53%. C'est anormal. Toute la République démocratique du Congo a besoin de 4000 hôpitaux, comme à Mayem. En termes d'infrastructure aujourd'hui, comment sommes-nous incapables de quitter Kinshasa-Lubumbashi, 2300 km? Lubumbashi-Goma, 1530 km. Goma-Kisangani, 678 km. Kisangani-Mbanaka, 1400 km. Mbanaka-Nanga, 1300 km. Nous sommes incapables de retourner la Namboura à l'abysse. Mais tout le monde a payé, bon. Tous les mois, on a 145 territoires. Il y a qui a basé pour ça, Banzira, nous sommes en province. Qu'est-ce que tu retiens des Kolangaï? Tu respectes. Tout le monde y va bougement. Il peine les autres pour amener ceux qui ont des vacances. Tikuna. Tu respectes Mboka Oyo. Tu sais, la vision d'une nation, elle ne se limite pas au Kasaï ou au Congo central ou au Katanga. Non, le Congo, c'est les 26 provinces. Le Congo, tout ça, on a besoin d'économie de choses à la Makasi. Et sans les routes, le Congo ne peut pas avancer, Nikolanga. Aujourd'hui, nous avons une insécurité alimentaire très avancée. Mais nous sommes un pays riche, Nikolanga. Babet a l'habitude de 80 millions d'hectares de terres arables. Mais comment est-ce que c'est le slogan? Pourquoi tout ça, la ramoussalaté? Pourquoi le Congo l'a lié à ma lame? Densité halieutique, il y a Congo, vous avez 700 000 tonnes de poissons par an. Vous avez Tanganyika, le lac le plus poissonné au monde. Végétation congolaise est capable de plus de 40 millions de bovins. Lelo na kati ya Congo eux, vous êtes capable d'avoir plus d'un milliard à basoso pour dans les achats congolais. Mais malheureusement, nous ne travaillons pas. Je reviens à cette tenue. Tant que nous n'allons pas travailler, tant que nous ne serons pas sérieux dans ce pays n'avancera pas. Donc ballons la mission en bas dialogue, ballons la mission table ronde. Donc, une table ronde, table ronde autour du développement. Parlons développement de la République démocratique du Congo de Kolanga. Bota la même Kinshasa au Ndenge Baby. Vous savez, on a déjà que Nani a remplacé, comment il s'appelle Bumba. Il a déjà échoué. Ils font les mêmes choses. Les mêmes choses que Kimbuta a fait, ce sont les mêmes choses que Ngobila a fait. Et malheureusement, Mbouba fait les mêmes choses. Mais plus comment la balabala, tout ça, c'est du matuvisme. Ndekonanga, na kosenga pe na ville à Kinshasa, ba raisonner, ba vanda, qu'il y ait une vraie réflexion. Tout ce qu'il y a dans le buzz, Ndekonanga. Tout ça, intelligence. Seule l'intelligence pourra sauver la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, honorable. Siko, table ronde, on a à reconvoquer. Table ronde, parce que tant qu'on fait ça, Mayel et toi, il faut que tu aies convoqué la table ronde dans le lobby qui est la table ronde pour les fans. Mais dans le cas où il y a des structures, Baba Kondia Mboka Mazali, celui qui dirige le pays à Zali, il a orienté que cette fois-ci, au lieu de faire des dialogues politiques qui vont bousiller l'argent des caisses à l'État, cette fois-ci, tout va de là, autour d'une table, tout seul là. Développement à Congo. Sur le plan économique, qu'est-ce que nous allons devenir en 2050? Sur le plan infrastructure, comment vous allez de l'engénine? Sur le plan sanitaire, est-ce que vous êtes capable d'augmenter 3000 hôpitaux? Donc, c'est aujourd'hui, il faut parler de développement. Arrêtons de perdre notre temps à discuter politique. Agissons. Merci. Maintenant. Merci. Congo l'a ça trop, l'oba, trop, ça n'a rien, malheureusement. Voilà. Alors, honorable, au coup qui cause un message ni pour la justice et la mise au Congo. Et puis particulièrement pour la ministre de la justice. Le numéro 1 déjà de la République démocratique du Congo nous a dit que la justice est malade. J'ai suivi aussi le ministre d'État, ministre de la justice, qui a dit que dans Akoti, la ministre de la justice, Akoti va baser athées, aucun fondement. Effectivement, nous n'avons pas de justice dans ce pays. Ce qui Tokenaki Liboso à ministère de la justice, Tokenaki Tepototala, le ministre de la justice. Non, nous sommes allés là-bas parce que ce bâtiment-là représente la justice nakati ya mboka na biso Congo. Et comme nous sommes allés demander justice pour naba opposant au Bakangemi, na ndenga ya mabe, ndeko Seth Kikuni qui a été candidat à la présidence de la République à deux reprises, ndekolanga, j'aimerais dire ceci. Ici, nga la joie était pour na défendre Seth Kikuni. Non, c'est pas ça. Mais nous défendons bien sûr la constitution congolaise. Tout le monde peut énerver la loi. Tu peux aussi énerver la loi. Au coup, va taper Libaku ou le bipé de Kamamabe. Mais est-ce qu'il faut anérer aux oeufs? Non. Anérer à la moussala naïe à service d'intelligence. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que ceux qui n'ont pas de masse dans Salimabe, bah parquer Zali, bah courir tribunal Zali,
invitation est là. Et puis, si vous voulez que vous avez un bout, vous avez un. Mais ici, quand il s'agit d'un opposant, Betty Libakou, paf, aner, demi-ap, ça n'a pas de sens. Cette Kikunde a fait 3 semaines prise en otage. C'est pour cela que nous avons décidé d'aller, bien sûr, lire un mémo, excusez-moi, Naliboso, il y a palais de justice. Donc, il y a qui est en libération à Jean-Marc Kabound. Donc, il y a qui est en libération à Mike Mukebaye. Na minute Mike Mukebaye est en prison de Konanga. Ça va faire plus d'une année. Sans procès. Pourquoi nous sommes en prison de Konanga? Ceux qui ont gagné, mais vous savez, ça y est. Vous avez gagné tout, ayez-vous, que ce soit dans 5 ans ou 10 ans. Mais Mike Mukebaye, il y a des gens qui Ayebi sort na été. Ça n'a pas de sens. Donc, dans la libération aussi, il y a des activistes qui ont été en mouvement citoyen Kangami. Ce qui est arrivé à Jacques Ndala peut arriver à Moutou Nios. Ce qui est Jacques Ndala, Moutaye Bani, politicien, Bassali et Nengwana, et bon petit peuple. Nassima Labino, qui a déposé le mémo Nabino, l'obin Yango, cette Kikouni a se retrouvé dans ma cala. Tout à fait. Alors... Parce que nous avons demandé cela. Nous avons demandé justice pour Jacques Ndala. Nous avons vu que la dame en question est aux arrêts. J'espère que c'est la théâtre. T'es. Nous avons demandé que la prise en otage à cette Kikoune ici, là. Maintenant, nous demandons un procès équitable pour cette Kikoune, mais aussi pour Jean-Marc Kabound, pour Mike Mukebaye, qu'on libère Safou de la géole de la Demiap. Mais nous avons aussi demandé justice pour la Chérubin Okende. Chérubin Okende, qu'on a couffine de manière beaucoup bizarre. Nous avons demandé justice pour ce qui s'est passé à la prison Makala, Ndekolanga. Nous avons dit au ministre de la Justice que rien ne peut justifier autant de morts de la prison Makala. Et bizarrement, nous ne voyons aucun procès. Donc, c'est-à-dire... Ouais, peut-être, par exemple, on s'est préparé pour pas organiser... C'est-à-dire, aujourd'hui, nous mourons de faim, nous mourons dans les prisons, nous mourons par balles. On nous arrête arbitrairement. Nous sommes dans quel genre de pays? Non, on déconne pas. Alors, il y a nous les gens malamouté, parce qu'il y a Constant Mutamba, ma bête au malamou. Bon, je par dis, rapport à Monsieur Balaki. Mais Ndekolanga, je pense que je t'ai expliqué Ndekolanga que et le quoi n'est que ça la malamou pour n'anga ibalu qui lié. Namakamoussel mais namakala s'il faut le côté, je lui donnerai 1/10. 1/10. Merci beaucoup. Et le haut va dégoûter mon arayo nakatia. Et à Alternative 2028, expliquer dans nos bisous, yébissa dans nos bisous, Alternative 2028, Eza Nini. Mais quand on a dit que la bande de Kobaza Kolandayo, Alternative 2028, nous sommes un regroupement composé de partis politiques, mais composé aussi d'acteurs de mouvements citoyens. Nous sommes dans l'opposition, nous sommes des jeunes. Nous sommes des gens qui veulent aujourd'hui, Narata à Congo, faire une politique différente. Une politique intelligente, politique moko, créative. C'est pour cela que nous venons de vous dire tout à l'heure, par exemple, au lieu de réviser la Constitution, au lieu de d'organiser un dialogue, Tolingi aujourd'hui, un travail scientifique, culturel, pour parler du développement de la République démocratique du Congo. Voilà, nous sommes aujourd'hui, nous allons battre tout le monde, dans une classe politique onios. Alternative 2028. Souhait Nabisso, ils allaient vraiment changer la classe politique. Kolongo là, tous ces opposants là, Wakala, qui sont totalement incohérents. Les lois lobby bleu, lobby à lobby rouge, ça n'a pas de sens. Voilà. Alors, est-ce que, objectif Nabino Yangwana, Kolongo là, politique Wakala. Notre objectif à nous, c'est de sauver la République démocratique du Congo. Nous allons très bientôt présenter un projet de société. Ndekolanga, ce qui n'a tenu la minute Oyo, quelle a été la vision de Tshisekedi pendant la campagne électorale? Tu es bien monté? Tu votes qui est pour la Nine? Tu es bien tata naé? Tu es maman naé? Non. Il faut un vrai projet, Ndekolanga. Il faut construire le Congo à tous les niveaux. Même sur le plan éducationnel, sous d'autres cieux, pour trouver une solution et un problème. Mais si on a Congo, on a un problème. On a un chômeur. On a un licencié pour avoir une cabine téléphonique. On a un problème.
ça n'a pas de sens. Donc, c'est-à-dire, na katia dialogue scientifique, wana, na table ronde scientifique, là, wana, il faudra même revoir l'éducation, na katia mort, la biso Congo. Table ronde des apprenants, quand vous l'avez posté, je te parle que na katia table ronde, il n'y aura pas de politique. Okay. C'est des scientifiques. Ça veut dire des penseurs, des économistes, des architectes, des urbanistes. Mais c'est politique, nous devons gérer, ma katia. Yoran, n'est-ce pas? Pourquoi il y a un politicien qui a été nommé? Alors, alternative 2028. Vous vous souvenez en 2028 pour le 2028. Non, 2028. Pourquoi 2028? 2028, ils allaient année à changement. Le Congolais a trop souffert. Il faut si qu'on a 2028, pas si qu'on est ici là. C'est pour cela que Toroti Kalara alternative 2028. 2028, il faut que c'est la date où le Congo sera sauvé en 2028. Voilà. Alternative 2028 pour le binabisoza et regroupement. C'est un regroupement politique, mais je peux vous dire que dans 2-3 semaines, ma commune va changer d'alternative. Moi, le bango, moi, mon mais naba ninga ou basé dans quatre alternatives, nous avons pensé aussi autrement. Ok. Alors, pour la bande de cognos, Oyo, Tamus, Balini, Pé, Rogène, dans la quatre alternatives 2028, est-ce que Kanga va porte? Et tout le lot, on va payer à bord, tout le région de pays honorable à deux, non, pas pour la Makansinaï. Et ma porte est au fond en matière. Ma porte est au fond en matière. C'est pour ça que dans Taki, il n'y a pas très longtemps, dans Taki Paris, dans Taki Pena, dans Espagne, dans Séville, j'ai été invité par des Congolais qui veulent adhérer à la date alternative 2028. J'étais au Portugal il y a quelques semaines. Et je retourne encore aux États-Unis dans 10 jours, si tout va bien, pour animer une conférence au niveau de Washington pour parler d'alternative 2028, pour parler de la République démocratique du Congo. Donc, Ndekolanga, j'aimerais le dire encore une fois de plus. Alternative 2028 est ouvert seulement avant au côté d'un alternative 2028, il faut être amoureux à Congo. Oui, Bandengen. Il faut oling à Congo là. Il faut être patriote. Il faut être mutu olingi botomwami la République démocratique du Congo. Yango, peut tu as un site internet d'Ambiso, alternative-2028.com. Alternative-2028.com. Au quotidien, on a un site, au commun, on a Maramunio Soto Salaka, au commun, on a Vision d'Ambiso Alternative 2028. Au commun, on a membre directement, Nakati, il y a un site internet. Et puis, si vous avez besoin, il y a un accompagné Biso sur le plan financier, 1 dollar, 10 dollars, 100 dollars, 1000 dollars, vous pouvez aussi le faire directement avec notre site internet. Dans quelques jours, Alternative 2028 va présenter son projet de société à la République démocratique du Congo de Kolanga en termes de santé, en termes sécuritaires, en termes d'insécurité alimentaire, en termes d'environnement. Nous allons aujourd'hui trouver des solutions pour notre peuple congolais. Donc, à chaque Congolais, la porte est ouverte pour l'encontre alternative 2028, numéro on a un téléphone, PSO, numéro comme dans la WhatsApp, les amis, 099 99 11 972. Voilà. Alors, Tokomi Nasuka et Mission Abisso, Tosorola qui n'a honorable Ados Ndombasi, qui député, les loyaux, Salamete Mikoluleki, Ala Azouate, ma pronomie, Oyotikoleka. Alors, tu as souhaité de voir bien que Kadima. Mais on doit quitter honorable. Kadima. On doit quitter. Pour le peuple congolais, je reste son défenseur. Voilà. OK. Merci. Alors, pour la bande ko pe bazana des sessions pour na yuta mususu ba fota yo mais nenge yo mokozo ba Kadima. Obima kiti. Ndeko na. Obina na pe ça peut-être moi le comme na le banon de Kamoro. Na ba pays sérieux. Kadima na mini toza na prison makala. Na pays sérieux. Même à Kalate, à Angenga. Une personne qui nous a présenté des élections ridicules. Ben, élection, il y a Sonia Lonengwana. Qui n'a même pas respecté la loi électorale. Ben, lobby élection seulement en un jour.
Tout ça, en 7 jours, Nekolanga. Nous avons trouvé des candidats avec des machines à voter. Mais bah, sanctionnant qui va en repayer. Tu es au côté de son apprenant. Tu es au côté de son apprenant. Dans le Biboué, dans un pays sérieux, Kadibana Minito serait en prison. Kadima est en train de Yaruta Mola librement dans la ville de Kinshasa. Mais, Baye Baka, qui sort de la banque, et José la banque, ils alors, merci honorable. On a posé là au bandeau numéro Pesaki pour le bandeau. On va vous contacter à Fénin. Donc, numéro dans la WhatsApp Pesali 099 99 11 972. Sinon, aussi, vous pouvez aller sur notre page Facebook Ados Ndombasi Banikina. Même sur le Twitter, c'est pareil Ados Ndombasi Banikina. Donc, 099 99 11 972. Allez aussi sur notre site internet alternative-2028.com. Nous travaillons pour donner de la grandeur à la République démocratique du Congo. Nakatia Imbalobi, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. Mais nous avons peuplé le Congo, plus de 100 millions d'habitants, mais nous n'arrivons pas à donner la grandeur à la République. C'est ça qui n'est pas normal. Merci. D'agosenga la chaque Congolais. Bokota Alternative 2028 pour que le Congo ait bon à l'obi. Donc, on aura Babi Bokota en Alternative 2028 pour que le Congo ait bon à l'obi. Mais ma discours, tu es un peu belé. Je vais pour dire que tu es un peu belé. Oui, comment on a pas d'année? Ebele na ba policier ebele. Na ba dani? Na ba politicien ebele. Na ba politicien ebele. Na biso na amoura Congo. Donc en tout cas, à votre grande émission, merci beaucoup à toute la grande équipe, aux techniciens, aux caméramen. Un très grand merci à vous aussi. Merci, un grand merci. Honorable. Merci. À très vite et que Dieu nous bénisse. Merci. Alors, tokutani bongo mbala sima. Na page na biso ya Facebook ou bien na chaîne na biso ya YouTube. Tantôt qu'on rate à la télévision, mais qu'on l'a mis sur YouTube, on a info AZ en un mot. Pour qu'on a mis sur et puis on s'abonne. Et puis on l'a dit, on a mis sur Nyonso Oyo et les Kakas.